Eh bien bonsoir mes loulous, c'est Tonton Tomic et nous sommes sur Saints Row, mais pas celui que vous croyez, pas le 4, d'après l'image, vous vous doutez bien que c'est l'extension Get Out of Hell. Donc on va voir un peu ce que ça donne vu que j'ai terminé le 4. Est-ce que... Donc du coup j'ai mon profil, ça c'est cool. Campagne, bonus, on va voir bonus, qu'est-ce qu'on a? Ouais, bon bah les trucs de base. Campagne. Si je fais charger partie. Pas de partie sauvegardée. Alors ça veut dire qu'on commence de base. Eh bah ouais, faut croire. Hein. Forme centrale à peine visible. Truc comme ça. Ah ouais, je suis obligé de foutre à 100% dis donc. Enfin pour moi. Ah c'est vrai que ça arrive de chier un peu chez vous du coup. Alors on va rester sur 50. Ouais 55. Continuez. Sauvegarde. Déjà la musique bien trash au début. Style on va pas rigoler ma poule. Ça risque d'être violent. Donc apparemment c'est la même ville mais un petit peu envahie par des démons en gros. Vite fait de ce que j'en ai lu hein, parce que j'ai pas voulu trop me spoiler, j'ai voulu avoir un petit peu la surprise, j'aime bien vraiment me fondre complètement dans un jeu et puis découvrir tout de A à Z. Once upon a time, in a faraway land, there lived a man so exceptional that the divine hosts of heaven and hell were forced to take note. A man dangerous enough to bring Satan to his knees, but selfless enough to make God himself raise an eyebrow. Un saint. How did this come to pass? Eh ouais. Well, it all began at a very special birthday party for a very special young lady. Surprise! What is all this? It's your birthday, Kinsey. Ah, si, c'est mon perso. You've never been to a birthday party. No. Well, I've not even grown up. I went to the School of the Americas since kindergarten. We didn't really do birthday parties. But you celebrated Christmas? I don't have to explain myself to you. Oh, Kinsey, this is going to be so much fun. Xinjai made a cake. Jane Austen is here. We'll play some games. What sort of game? T'es bien candide, toi. Quel genre de jeu, ouais, c'est ça. Excellent. So you celebrate birthdays by trafficking with spirits? It's spooky and fun. It's a bunch of letters. It's tradition. Every slumber party has to involve a spirit board. Slumber party? How's it work? We ask it a question, and the spirit of the board will reveal the answer. How? Yeah, someone pushes the pointy thing to wherever they want. Wait, can we go back to you and your slumber parties? No time. All right, everyone put their hands on the cursor. Cursor? I feel the magic already. All right, will the president slash god emperor for life ever choose a partner to reign alongside them? Hell no. Ooh, someone's getting married. Shut up, Matt. Who will tame the president's wild heart? What are you guys trying to spell? I'm not moving it. That's the spirit, Kinsey. I'm serious. I'm not moving it either. Neither am I. Eh ouais, les planches de Ouija, faut pas s'amuser avec. Wow. Ok. Ça, c'est fait. Is that not normal? Where'd you get the board? I was going through Signac's artifact collection and found it there. Who did it belong to? Aleister Crowley? Guys, I think it's laughing at us. Fuck this! I think you're a smart enough piece of wood to see where this is going. Now, you ready to cooperate? That's cool. You think we can trust it? It's not like we got a lot of options. So what's the plan? We mount up and go in after the boss? No, I do. No sense in what's left of humanity walking right into a death trap.
Someone's gotta live to tell the story. That's a stupid plan, Johnny. I'm leaving you in charge. Hell of a plan, Johnny. Are you serious? I'm coming too. Are you kidding me? How do you plan to come back? Yeah, I try not to sweat the details. You need someone with you that does. No. It's my birthday. Fine. Allez, allez. Michael. All right, then. You know where my friend is? True to its word, the spirit board opened up another portal and sent Johnny and Kinsey screaming into hell. Et donc, vu qu'il y avait mon perso en présente, est-ce que je récupère? Ou alors, est-ce qu'on va nous imposer des personnages? Ça, c'est la grosse question. La preuve, c'est que direct, on se retrouve avec Johnny. Waouh! Ah ouais, la ville, elle a vraiment beaucoup, beaucoup changé. C'est plus tout à fait la même. Dane Vogel. Ultor's behind this, I know it. Ultor and the Saints haven't been enemies in years. You really think he's responsible? You don't know him like I do. The boss put him through a window for a reason. The reason was the boss was kind of fucking crazy back then. That's a fair point. You know how much easier this would be if we just found a car? You know how much easier this would be if you just gave me a second? Bon, alors déjà, direct, ouais, on devient un vieux troufion de base. Bon, ça c'est un peu dommage. Bon, c'est pas grave. Du coup, on va réinverser les commandes parce que ça aussi, ça n'est pas été enregistré, n'est-ce pas? Donc c'est vraiment un jeu tout à fait à part. Option de commande, oui. Alors, AVC, voilà. Un vol, oui, ça c'est bon. Bon, tiens, ils l'ont gardé, l'inversé. Ça c'est marrant. La sensibilité, non, bah, c'était pas mal à sensibiliser. Ok. Sauvegarde. Et je reviens. C'est reparti. Bon. Ah, on va voler un véhicule. Ouais, il y a quand même des bagnoles qui se baladent. Ah, mais le décor, il est trip quand même. Ah, je l'aimais bien, elle. C'est quoi, c'est des zombies qui conduisent des caisses? C'est ça le délire? Ah, puis c'est du Struff qui se balade dans la rue. Excellent. Ah, c'est fun. La moto. Ah, tu grimpes ma puce. Donc par contre, je vais où là? Ah oui, c'est select. Carte. Sur Ultor. D'accord. GPS. C'est parti. Demi-tour. Donc si on fout la paix aux zombies, ils vous laissent tranquille apparemment. Ça, ça n'a pas changé comment, ouais, toujours. On a gardé les mêmes. Très bien. Oh, le décor, ouais, il est trip, hein, Marc. J'avoue. Mec, ils ont déliré. Ils ont vraiment changé du tout au tout. New Hades. Pardon. Laissez-moi passer. Enfin, laissez-moi rouler déjà, tout du moins. Ah, oh, ouais, c'est génial. Kensington and Johnny Gat driving together on a birthday adventure. Are you always this excited? Generally, I'm a misanthrope. I get it. Je pensais à une petite custom, mais à ce point-là, laisse tomber. C'est fort. C'est fort, j'avoue. Bon, le seul truc qui est un peu dommage, mais c'est qu'on n'a plus du tout nos pouvoirs. Bon, de toute façon, je pense qu'on va récupérer sensiblement les mêmes. Ouh, oh, ça, je m'en doutais un petit peu. L'arrivée serait un peu brutale là. Je suis en train de bien aniquer la moto là. Les gens, vous avez des drôles de tête. Wow, la bagnole en flamme qui se balade. C'est normal. Oh ouais, explosé, bah normal aussi. Oh yeah. I'm gonna
to shoot him in the face unless he gives us the boss back. What if Dean doesn't have a boss? Alors comme ça, vous profitez du paysage comme moi. Alors, j'y suis. Ok, on descend. Bonjour. Welcome to hell. Merci. Shouldn't you have a receptionist? Such is the plight of eternal damnation. I have a feeling you didn't come here to catch up. Let's talk in my office. Bon, bah je te suis. Not even death could stop the enterprising Vogel, who wasted no time in setting up an altar branch in the bowels of hell. Dane was eager to fill Johnny in on the ever-shifting politics of land rights in the underworld. But real estate mattered little to Johnny, who only cared where his friend was. Where'd you put the president? I've been trying to explain that. Ouais, où est-ce que tu m'as mis, hein? Bullshit. You expect me to believe you just happen to be the first thing we see in hell? Maybe it's just me, but your thank you sounds more like an accusation. That's probably because he plans to kill you. Okay. I get the trust issues. Can I show you something? Tu peux toujours essayer. The pieces all came together. The president had caused more chaos and destruction than any other in human history. It was only natural that Satan would want them to marry his daughter. D'accord. They needed a plan. And Johnny had one. I'm gonna shoot the devil in the face. I think you might be skipping some details. No, I said in the face. I like the commitment, but you gotta find a way to get close enough to him in the first place. When's the wedding? I'll just show up and... And then you'll shoot him in the face. Sorry, but it's a little more complicated than that. These things are tied to the soul. You won't be able to enter without one. So how do we get one? You get his attention. I know some places that are of particular value to the father of the bride. You hit those, you'll get your shot. Wait, why would Satan give out an invitation for destroying his stuff? Oh, he won't, but it should piss him off enough to get him to attack Johnny personally. Either the devil kills Gat and Ultor gets the construction contracts to rebuild what was destroyed, or Johnny kills Satan and I'll have to pay less taxes. It's pretty win-win. That's why you're helping us? To make more money in hell? Hell's what you make of it, sweetie. Works for me. What you got? All right. C'est du business, tout ça. Satan had entrusted the day-to-day running of hell to 5 archdukes, and Dane knew how to find them all. But beyond that, not everyone in hell was content to go along with Satan's status quo. There were others who shared Dane's ambition for power, and the Altor mogul knew that the key to unseating Satan lie in gaining their aid. Oh, they dig in, doof. But before Johnny set out to wage war against the Prince of Darkness, Dane had one final gift. An artifact that he had spent fortunes on. Lucifer's cracked halo. Whoa. This holy relic granted Johnny the majestic wings of the Morning Star. Oh, yes. However, he still needed help in learning how to use them. On a des ailes, s'il vous plaît. Ça déboîte. All right, you got me out in the sticks. Now what? Récupère les cristaux. A little excitement. Okay. You're about to experience angelic flight for on passe dessus simplement. Someone needs a nap. Just collect some soul clusters and power up the halo. You'll be flying around in no time. Great. Now you should have just enough clusters to power menu up menu ésotérique. Halo. Alors menu ésotérique. Oh, d'accord. Alors le vol, ça donne quoi ça? Tu peux désormais t'élancer dans les airs, c'est parfait pour atteindre la bonne altitude au combat. Charger tes sauts et sauter plus haut et plus loin. Ah oui, bah ça va pas changer. Mais bon, avec les ailes, c'est sûr que ça peut donner. Et donc le super sprint. Cool. Donc j'ai 4 points de dispo. Ouais, ouais. Donc on les a dès le début, ça le fait.
Ok, reviens dans le menu ésotérique prochainement, oui. Ça, je m'en doutais bien. Ok. Ah, puis du coup, je change de dégâts en plus. Saute jusqu'à un terrain surélevé. Oh, les ailes, matez-moi ça. Oh, yes. Oh, je charge bien fort. Hey, you didn't fuck it up. Saute sur un mur jusqu'à la statue, jusqu'à la saillie. Something looks too high. Just keep on jumping off the wall. Now it's time to fly. You heard of crawling before walking? Prochaine île, elle est où? Well, in this case, you need to jump before you can fly. Launch yourself in the air with a jump, and then hold your wings out to glide to that next island. Ah oui, d'accord. Maintenant, je peux voler. Ok. Dommage. You'll have to dive to reach the next island. Do that by pointing your head down. Don't worry. Piquer, gagner de l'élan quand tu voles. Pour 10 minutes, on est là. D'accord. Donc là, on freine. Oh. Ah, oh, c'est bon, je suis dessus, je suis dessus. I put a shiny flat orb out in front of you. Collect the orb and your wings will flap to gain speed. Attrape un orbe de vol et vole jusqu'à la prochaine île. D'accord. All right, now try flapping those wings on your own. Do a flap on your way to the next island. Quand tu es en l'air pour battre des ailes. Oh, un seul battant d'ailes par vol, par contre. Ah, d'accord. Yeah. Ah, c'est classe. The exact opposite of diving is climbing. Climbing will slow you down and eventually cause you to stall. And trust me, stalling sucks. You can flap while gliding to gain additional speed. So the faster you're going, the higher you can fly. Now try to reach the island up there. Ouais, je l'ai foiré, lui. Tant pis, mais ça m'a redonné un bon petit paquet d'élan. Ça déchire. All right, time to take the training wheels off for the final lesson. Dernière flying takes stamina. If you run out in midair, you are going to drop like a rock. A stupid, stupid, stamina-less rock. Last island is right under those lava walls. Okay. Notice how your stamina drains the longer you glide. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas compris. Appuie sur LB. Ah, il faut maintenir en fait, je suis con. Ah mais du coup là c'est mort. Ouais d'accord d'accord. C'est juste un petit coup à prendre hein. On va rien m'excuser. Déjà de toute façon faut que je concentre mon saut. Merci. God, this feels good. Voilà, ça c'est beaucoup mieux. Merci. I want to run through all the stuff you can do to hurt Satan. Ah oui, j'oublie aussi la jauge. Excusez-moi. Here's the deal. If you want some face time with Satan, you need to get his attention. Now Satan hates being challenged, so anything you do to undermine his control is good. Fraud, mayhem, shooting demons in the face, anything. You can keep track of Satan's wrath with this handy meter. Get it high enough and you'll be having drinks with Big Red in no time. Ah, excellent. I've compiled a list of shit to do, so take a look and do whatever sounds fun. Oh, one more thing. We have c'est bien ce que je disais, faut foutre le bordel. Trust me, you want to impress them. Ok, mais le vol, ouais, va falloir que je m'y fasse parce que j'ai joué tellement longtemps à Saints Row 4 avec... avec l'habitude de faire des rebonds, tandis que là, c'est du vol. Donc, ouais. Chaque fois que je m'élance dans les airs. Ok.
Manu du Hub. Quête 51 quêtes. Oh. Ah, mais c'est violent. Ok. Activité médaille d'or dans les courses effrénées. E-fraude. Chaos. Salut. Dans toutes les instances de chaque activité. Eh ben. Convertir les centres de triage. Convertir tous les deux. Tel bout de feu. Trouve les lieux de cascade aérienne. Homicide testiculaire. Distance super print. Dérouillé auréolé. Temps de vol, ok. Les armes. D'un coup, tir en pleine tête, vite explosé. Détruit les véhicules. Ah ouais, mais t'as de quoi t'amuser. Allez, on accélère, on va voir. D'ailleurs, je ferai des pauses dans ma vidéo, mais voilà. Donc vous voyez, on a ce qu'il faut. Et ben, alors pareil, est-ce que quand on sélectionne les premières quêtes là, hop, oh, pardon. Bon bah écoute, on va... Voilà, ah ouais, ça prend la même chose, ça c'est cool. Allez, donc on est lent. Allez ma poule. Ça c'est cool. Raté. Need the rest of wings. Allez. I hope there's not something ridiculous like 100 of these to find. Donc les clusters, ouais, c'est comme dans l'autre. Sauf que là c'est des clusters d'âme. Allez, vas-y mon beau. Oh, 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 du coup c'est tout aussi trippant hein, parce que voilà, ça vous fait prendre de l'élan obligatoirement. Donc, ouais, non, c'est pas mal, c'est pas mal du tout. Autre ambiance, autre mœurs comme on dit, mais c'est trop bien. Ah, je l'ai eu, bien. Alors, allez. Ouais, ouais, et je commence à choper le coup là. Ouais, bien. Note to self, find a way to control lightning. This is what I'm talking about. Allez, continue ma poule. Ah, j'ai raté celui-là. Ah oui, mais il faut attendre que la jauge des choses charge. Fais de barbe noire ton allié. D'accord. Allez, vas-y, recharge-toi ma jauge. Et bon, t'es à fond. Ok, on est reparti. Ça, ça sera bien aussi. Recharger ça. Un de ces quatre. This is bad timing. Ah, voilà. Donc là, les points rouges, faut pas s'en approcher, apparemment. Donc là, j'ai la super course. Ça, c'est cool, c'est des flammes, ça déchire. Attends, on va grimper sur les murs. Voilà. Ah, ça je peux pas. Ah non, je suis bloqué. Allez ma poule. One more. 17 clusters quand même déjà pour commencer. Et regardez-moi tout ce qu'il y a en bas. Oh, vol pigeon, vol. Qu'est-ce qu'on a là? Dane can't be the only person with an angle down here in hell.
se recharge un petit coup. Toujours aller en chercher un par là. Ok. On va prendre le truc, hein, Allez, grimpe. Est-ce que j'avais vu? Encore un. Ah, il est à ma gauche. On grimpe jusqu'où là? Je sais pas. Je vois plus rien. Oh, mais matez-moi les décors. Excusez-moi. Petit chat dans la gorge. Enfin, c'est même la boule de poil, excusez-moi. Alors, c'est pas l'endroit à cascade, ça, ça y ressemblerait bien. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, tout ce qu'il y a derrière, mate-moi ça. Allez, vas-y, prends. Et je l'ai eu. J'ai pas eu le deuxième. Gotta pick it up. Ah, ah, ça c'est un peu foiré. C'est pas grave. Si je diminue trop ma vitesse de vol, je vais tomber. Oui, ça j'avais remarqué. Et ils sont où les bouboules là? Je les ai pourtant bien vus, c'est tout en haut. On va aller tout en haut, écoute, on va voir. On va bien voir. Ah, je m'en doutais en plus qu'il y en aurait eu un là-haut. Je kiffe. Franchement, c'est... Voilà. C'est Saints Row version Halloween. C'est trop bon. Alors, on prend la vitesse pour prendre la hauteur. Et le cluster. Oh la vache. Ah ouais, tu prends une vitesse de ouf en plus. Du coup, j'ai tout raté. Celui-là, je peux l'avoir sans voler. De toute façon, il fallait que je me recharge. Donc ça, c'est un magasin. Et ouais, c'est carrément un magasin. Bonjour monsieur, ce serait pour acheter des flingues. Ah non, c'est pas là. C'est où alors? Qui c'est que ce mouxon? Ça, c'est comme un hôtel ou je sais pas. Je vois pas. C'est que ça doit être planqué autre part. Bon, bah c'est pas. On verra plus tard. Là, pour l'instant, j'étais sur les clusters. This is bad timing. Ah, et par contre, voilà, si je me relève. Par contre, ouais, j'aimerais bien que tu sautes sur le mur. Voilà. Parce que j'en avais vu un dans le coin, mais il est où encore? Par contre, il y a des murs là comme ça, c'est un peu chiant. On peut pas le faire. J'ai eu un truc. T'es pas là? Si. Et de 30 clusters. Et si on regardait ce qu'on pouvait faire déjà avec 30 clusters. Alors, tac. Retour, merci. Ésotérique. Donc, voyons voir déjà en vol ce qu'on peut faire. Battement d'aile 2, voilà, un deuxième battement d'aile. Déjà, ça c'est cool. Donc c'est 10. Réalise des sauts plus hauts et des battements d'aile plus puissants. Voilà, récupération. Récupère instantanément 25% de ton énergie lorsque tu atterris après un vol. Oh, c'est classe. J'avoue. D'accord. Donc ça, ouais, je prendrais bien quand même. Direct. Ah, attends. Deuxième battement d'aile ou la puissance d'abord? Ouais, d'abord la puissance. Puissance. Ok. Direct.
battements d'ailes de... Ah, c'est compliqué. Je vais faire une pause, je vais cogiter un petit peu. À tout de suite, les copains. Bah allez, hop, c'est bon. Du coup, je me suis décidé pour booster déjà mon vol. Comme ça, j'améliore... Rien que pour aller chercher les clusters, ce sera plus simple. Déjà, vous voyez. Hop là. Donc, je peux donner un deuxième battement d'aile. Ça aussi, c'est cool. Histoire de reprendre de l'élan. Yeah! Et il est content quand je donne un battement d'aile. C'est cool, ça. On va se recharger un peu. Ça, pareil, je regagne 25% direct de mon endurance quand je retombe. Donc, so good. Allez, plonge mon poule. Plonge ma poule. Voilà. Hop là. This should be useful. Voilà, je vais redonner un peu d'élan. Hop là. Cool. Putain, j'ai chopé du truc là. Cluster 9. Hop là. Bon, je te laisse tranquille. C'est pas de toi dont j'ai besoin pour l'instant. C'est quoi ça? Ah, c'est un truc de faire pour faire du chaos. Ouais, mais pour l'instant je suis pas vraiment boosté. Ça vaut pas trop le coup. On verra ça plus tard. Vu en plus qu'il y a dans le coin, ça serait dommage de se priver. One more. Hop, j'ai raté. Je suis où de l'endurance, ça va. Alors, reprendre la vitesse, ma poule. C'est bien. Découverte de l'enfer, 17 sur 82. Oh, tout le bordel qu'il y a. Allez, chope-moi ça. Hop là. Need the rest of wings. C'est pas grave. Alors, on passe entre les deux. Voilà. Et la pareille en dessous. Ouais, je l'ai vu. Excellent. Ouais, je commence à piger le truc. C'est quoi ça, là? En bas. Dis donc. Partie 1 sur 5. Des livres à trouver. D'accord. Yep, là, c'est bon, je l'ai chopé. Cool. Some folks think I had all this handed to me and I take advantage of people, but here's the God's honest truth. In life, I worked for everything. Opportunities mean fuck all if you do nothing with them. Most of these poor bastards down here whine about their lot in life, but are unwilling to do anything about it. That's not me. Ok. Contre la lave, c'est peut-être pas bon de passer dedans. Hein. Je sais pas ce que vous en dites, vous. Par rapport à la petite flotte tranquille, façon bug de la matrice. Dans Saints Row 4. Voilà, bien. Ouais, c'est bien foutu, hein. Ouais, quand vous avez pas de vitesse. Oh là, aïe, 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 et c'est clair. Je vous avais dit, c'est pas une bonne idée. Je l'avais dit, je l'avais pas dit. Alors, est-ce qu'on se recharge par contre au bout d'un certain temps? Oui, parfait. Très bien. Ah ouais, j'avais perdu pas mal d'énergie quand même. Faire super gaffe à la lave donc. Mais bon, en même temps, c'est pas une surprise. Ah là, bien en dessous. Check. God, this feels good. Bien. Un petit coup de speed, merci. Et on fait un petit piqué, histoire de reprendre de la vitesse. Voilà. Bon.
Bon, attends, on va se poser deux secondes parce que là, faut que ça recharge. Bon, et par contre, de toute façon, quoi qu'il arrive, va falloir quand même que... C'est bien de choper des clusters, mais il faut que je me booste aussi en expérience parce que sinon, je peux pas les avoir. Ce serait trop facile. Ce serait trop simple. Mais bon, rien ne nous empêche de prendre un peu d'avance, hein. C'est clair. Clac. Ok. Et un petit battement d'aile. Oh, je l'ai pas eu. Je commence à piger, mais ça sera bien quand on aura voilà, de l'endurance bien boostée. Bon, ben écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller faire. On va aller voir Monsieur Barbe Noire. Très bien. Ça n'empêche pas de se faire un peu de maille. Ah, du coup, j'ai raté. Et grimpe. Ah, ma poule, c'est bien. This is bad timing. Ok, bon. Calmons-nous un peu. C'est quoi ça ici là? This looks old. Ah, faut avoir écrasement pour activer un hôtel. D'accord. Très bien. Un truc à faire. Ah, il a l'air bien complet hein, ce jeu. C'est terrible. Ah, je l'ai raté. Ok, c'est pas... Bon, de toute façon, on est arrivé. Lost count on these things. Hop là. Très bien. Alors, première mission. Allons voir ça. Touche la roue. Abandon ship. We've been boarded. Ok, de la sale bestiole à buter. Très bien. Alors attends, on va se prendre des guns. Hein. Ouais. Ok. Oup là. Tiens, salut toi. Pardon. Ah, pour l'instant. Faut que je me remette dedans. Ok. En tout cas, ils bougent bien vite les machins. Putain. Allez, ça goit. Qu'est-ce qu'on gagne là? C'est quoi ça? Ah, raté. Ah, d'accord. Y, pour s'en débarrasser. Ok. Bon à savoir. Ah, bouge pas. Ah, désolé. Putain, ouais, mais si tu bouges tout le temps. Voilà. Bim. Charge. Bien, petite musique derrière. C'est vrai que j'oublie ma super course, moi. Bim. Alors, le marteau de Dieu. Ah, nouvelle arme. Hop là, par contre, t'emballe pas. Oh ouais! Ok, cool. D'accord. Faut rester. Faut maintenir. Bam! Oh, la totale. Clac! Et ouais, les mecs! Ah. Ça y a. En plus, il y a un peu de déflagration. Blam. Récupère, récupère, c'est des thunes, ma poule. Il avait rien. Ok. Par contre, je peux le taper. Ouais, ça passe. I forgot what a handful they could be. Once aboard, they wouldn't listen to their captain.
They ran amok in the bowels of the ship. Ah. Ça continue. Où est-ce qu'ils aillent? Tac. Oh, c'est mortel comme arme directe. Voilà. On laisse mon capitaine tranquille. Il y a de la thune. Où est-ce qu'ils arrivent? Tu bouges pas toi? Ok. Et deux autres, Ils sont là-haut. Non? Ils étaient en bas. Je sais pas, il y avait deux points rouges en bas. Sans blague. To heaven, it was a logistical nightmare. Saint Peter's meticulous nature drove purgatory wait times to unbearable levels. Meanwhile, in hell, where souls in pain were used as currency, it created a new era of prosperity for the wicked. Ah, il y a toujours des profiteurs. Cherche pas. This boom resulted in the coffers of hell to be overflowing, which in turn piqued the interest of the most notorious man that sailed the seven seas. Long had Blackbeard been a thorn in Satan's side, robbing tax collectors on a semi-regular basis. But the promise of an immeasurable fortune drove him to be even bolder. An arrangement was reached. Blackbeard would provide information on strategic targets in exchange for a share of the profit. Johnny, who was interested in murder, not money, happily agreed. Major. On va bourriner. Yo, oh, oh, et une bouteille de rhum. Je peux invoquer, faire appel à des entités obscures pour servir tes projets. Oh, terrible. Invoque tes plus horribles sous-fifres de l'enfer pour semer le chaos et la confusion. Tu attireras ainsi moins l'attention. Améliore ce pouvoir pour plus de diablotins. Et puis deux fois pour basculer rapidement entre les éléments d'invocation ou change d'éléments de pouvoir. D'accord. Et l'existence de ces coffres de pirates et ces glyphes secrets. Yes. Didacticienne invocation. Alright, matey. It's time for your lesson. Ok, parfait. Let's summon my favorite scurvy riddled hellion. The imp. Why don't you start off by summoning an imp to take out those enemies? Ouais, je suis dessus. Bon, je sais pas, ouais. Et donc là, il va l'agresser. Oh, ouais, cache. Now take down the other demon. Alors. Ah, ouais, il faut attendre que la jauge soit montée. Oh, ok. Now let's practice your aim. Peut-être cibler sur des endroits flics. Créer un réticule d'invocation, d'accord. Alors, faut que je sois plus près que ça. Ah mais j'étais plus sélectionné, n'importe quoi. Alors, pourtant j'ai appuyé sur un airbag à enfoncer. Ah d'accord, faut viser avec le poing, bah oui je suis bête. Ah, par contre, faut pas être sur le mec. D'accord. Ah, c'est super pratique en vérité. Ok, j'ai pigé, pas de problème. Et donc là, ah oui, il faut aller de l'autre côté, il y en a un autre. Et ce coup, c'est moi. Tout simple, tout simple, tout simple. Yes, I. Oh, trop pratique. Bien. Ah ouais, en peu de temps, là, direct. Comme dans Saints Row 4. Hein. C'est clair, pareil. On montait très vite en puissance. Où est-ce que j'arrive? Je suis à l'intérieur de la baraque. Ah, mais oui. Je vais être. Changer de personnage. Et voir. Don't mind if I do. Ah ouais, je serais plus... bah oui.
C'est clair. Donc j'ai les mêmes choses, je suppose. Bah oui, exactement pareil. D'accord. On va se prendre le marteau. Yes. Alors pareil, est-ce qu'on va avoir des magasins et tout pour changer de look, voire même changer de face. Récolte le pouvoir d'écrasement. Bah ouais, le pouvoir d'écrasement, on va y aller cash. Ah, une fifille avec des ailes, ouais, c'est plus la classe encore. Prends la vitesse, s'il te plaît. Elle va vers le bas, voilà, bien. Bon, au passage. Tac. Ah, c'était là, bordel. Oh. C'est pas grave. Allez, on récupère un peu. Bim. Oups là. Je suis dessus. Non, je suis plus dessus. Eh merde. Une fois que j'ai bien maîtrisé, ça va vraiment être trippant. Le vol, ok. Le seul truc, c'est de réussir à s'entraîner. Voilà. This is bad for my OCD. Yes. 44 clusters, s'il te plaît. Déjà dès le deb. Je deviens un spécialiste du cluster. Hop là, continue. Allez, on va plonger un peu. Got it. Yes. Un peu d'élan. Ouh! Ça a foiré. Tant pis. On va se poser 2 secondes. Recharge. Je suis juste à côté, ouais, là où je dois aller. On va y aller. Hein. Allez. Surtout que là, du coup, maintenant, je suis équipé. C'est la teuf ici. Allez, je vais se faire le pas de danse, moi. J'y vais, cash. Danse. On y va. Lights up. William Shakespeare, humanity's greatest playwright, and hell's most diabolical purveyor of entertainment, looks on as a brave mortal on an Orphean quest enters. The bard's interest is piqued, and he looks to test his visitor's mettle. The master's tragedies were used to enemies cowering as they approached. But soon they realize that they faced a foe with courage and nobility. Ben. Traits uncommon in the fires of perdition. C'est bon. Où est-ce qu'il est le petit dernier? Oula, ouais, il est là. Et en plus, il me vise. Ça ne me plaît pas du tout. Ah, ah, ah. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Ah, il a carrément changé d'emplacement. D'accord. C'est quoi ce délire? Bon, on va prendre les guns. Oh, qu'est-ce que j'ai comme arme, dis donc? Empaleur damné et canon à lave. Oh! Je sais pas si je le touche là. C'est pas sûr. En tout cas, il est là. The inciting incident resolved. The time had come for rising action. Ah, d'accord. Chargé, c'est bien. The battle raged on below. Oh, c'est over efficace. Blood flew. Et on peut viser de bien loin. Ah, je suis un salopio.
Attends. Du coup, voyons voir. Je peux pas l'utiliser. Pourquoi c'est rouge? Non, c'est la gueule de l'arme qui veut ça. Bim et bim. Mais je suis debout. Ah, c'est pas moi qui causais. Hop là, pardon. Chargement. Hop là, coucou toi. The conflict bim, pleine face. Shakespeare eagerly awaited meeting the champion that dispatched so many of his men. Undoubtedly, they were here for the bard's aid. Et c'est vrai que j'oublie les thunes à récupérer, moi je suis un peu ouf. Found in hell, Shakespeare always had a soft spot for company. Allez, ça c'est emballé. In the land of the living, William Shakespeare is regarded as one of the most prolific playwrights of all time. However, to the denizens of hell, the bard is seen in a far different light. After selling his soul for fame and adoration, Shakespeare served in hell as Satan's spy master general. Carrément. In doing his duty, ça, c'est de l'avancement. Shakespeare would punish the souls he was investigating by forcing them to perform in grotesque passion plays for Satan's music. Oh, c'est pas gentil. But in a Twelfth Night-esque twist, Shakespeare found himself living a double life. While he projected an image of cruelty, his heart was as soft as Jezebel's. In secret, he would tutor her on the classics and act out the works of his mortal days. When Satan found out, he cast Shakespeare out of the palace, believing that the poet would be tormented by the populace of hell, far out of Jezebel's sight. But Satan had not counted on the bard's cunning. Embracing his persona of master torturer, Shakespeare and his followers, the tragedies, took root in the entertainment district, biding their time for revenge. Et donc du coup, pour ça, il va me donner le pouvoir de l'écrasement. Yes, celui-là, je le connais bien. C'est vrai qu'en enfer, ça aurait été dommage de pas l'avoir, celui-là. Shakespeare called forth the Deus Ex Machina to bestow our protagonist with the arcane power of horse stomping. Et produire un écrasement ésotérique. Cool. Bonne idée au bord des falaises et des saillies. Yes. Ok. Trouve Dex et tue-le encore et encore. Fais-lui payer ce qu'il a fait au Saint. C'était. Il actifie l'écrasement, mais bien sûr. Lights up. The mortal stands in the training grounds, eager to try out his new force stomp power on the group of demons in front of them. Okay. Scene 2. Bam. In which our protagonist kills more demons with force. Act 2. In which our protagonist is greeted by foul imps. Là. In which our protagonist learns that force stomp even works on flying enemies, enabling them to remove a dark inciter's shield. The day is won, and the curtain pratique. Closes on our noble hero. Super pratique. Et ben voilà, ça c'est l'entraînement qui est envoyé. On va vous dire qu'en même temps, il n'était pas très compliqué, hein. Et donc là, ça va être au tour de Vlad. Mais sur ce coup-là, on va faire une petite pause vidéo et je vais revenir car direct, je suis de nouveau accro, c'est clair. Allez, tchuss les loups, à tout de suite.